Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pas très longue, juste pour vous donner un peu mon ressenti. Voilà, j'ai acheté sur AliExpress une peinture par numéro, vous savez, la peinture qu'on fait avec des numéros. Et donc voilà, je vous la montre là, donc la toile. Ça, c'est le dessin. Donc une toile avec des peintures. J'avais le pinceau, les pinceaux, il y en avait trois. Vous allez voir après, je vais vous montrer. Bon, déjà quand j'ai reçu la toile était entièrement chiffonnée. Donc j'ai dû la repasser plusieurs fois pour la retendre. Mais là, je l'avais posée déjà sur une plaque de mousse pour qu'elle reste bien droite. Et en fin de compte, bon, j'ai essayé. Vous voyez, voilà comment je l'ai reçue. Donc là, je l'ai dépliée. Elle était complètement chiffonnée. En plus, mon facteur pour le mettre dans la boîte aux lettres avait plié l'enveloppe en deux. Heureusement, les peintures ne se sont pas cassées, ne se sont pas ouvertes. Donc c'était la totale. Et donc voilà le dessin que je dois faire. Et donc ici, vous allez voir que je vais commencer la peinture. Mais bon, j'ai attaqué, mais c'est pas le genre de truc qui va me transcender, qui va me mettre en joie. Ça m'éclate pas plus que ça, voilà. Alors, je sais pas, peut-être que bon, c'est pas peut-être non plus de la peinture de très très bonne qualité, j'en sais rien, j'en ai jamais fait, c'est la première fois. Mais bon, là, ce que vous allez voir, là, bon, il y a quoi? Il y a peut-être 6 minutes de vidéo. Donc, vous allez voir que les 6 minutes, je les ai accélérées, bien sûr. Et en tout, ça m'a pris 1 heure pour faire ce que vous allez voir. Et en fin de compte, non, ça m'éclate pas ce truc. J'aurais pensé que ça m'aurait plu parce que j'adore la peinture. J'adore tout ce qui est coloriage, tout ça. Et là, non, ça me plaît pas. Ça me plaît pas, non. La peinture est quand même assez difficile à étaler sur la toile. Donc là, bon, vous voyez pas très très bien parce que bon, j'ai pas mis le zoom. Je suis désolée, j'aurais dû mettre le zoom. Mais puis bon, il y a quand même beaucoup de petits morceaux, voilà. Bon, je vous laisse regarder d'abord et je vous en reparle. Donc voilà, vous voyez, là, bon, j'ai commencé par les taches noires. Peut-être que j'aurais dû commencer par les autres couleurs, mais en plus, bon, les pots de peinture sont quand même assez petits. Donc, je me demande en plus s'il y a assez de peinture pour faire toute la toile. J'espère. Parce que bon, bah là je l'ai commencé, bon ça me plaît pas beaucoup, mais je vais quand même essayer de la terminer, hein.
pour voir ce que ça donne à la fin. Mais c'est vrai que les pots de peinture sont vraiment tout petits. Vous verrez après, je vous ai mis la photo donc en gros plan et on voit c'est pas vraiment net. Donc peut-être que j'aurais dû commencer par un dessin plus simple, choisir un modèle avec moins de parties aussi petites. Donc là, j'avais essayé de prendre le pinceau vraiment le plus fin pour voir si ça allait mieux, mais non. Je trouvais pas que ça allait mieux. Je sais pas, si vous en avez déjà fait. Ou si vous en faites actuellement, bah dites-le-moi en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est moi qui ai un problème avec cette toile et puis cette peinture? Ou alors est-ce que c'est vraiment un problème général que ça fonctionne vraiment pas? Voilà. Donc voilà, quand j'ai fini ce morceau-là, vous voyez, c'est pas net. Donc on verra. Bon, je continuerai quand même. Enfin, j'espère pouvoir le continuer parce que quand ça me plaît pas, ben, c'est difficile. Donc voilà. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous. À bientôt.